Don Valais de sa demande. C'est le moment des déclarations de députés. La députée de Toronto-Saint-Paul. Les secteurs des arts et de culture de l'Ontario sont sous attaque par les coupes du financement du gouvernement conservateur et on a réduit 15 millions de dollars à la Fondation Trillium de l'Ontario, 5 millions de dollars du budget du Conseil des arts de l'Ontario, aussi bien que le Fonds de la culture autochtone. La ministre de l'Éducation n'est pas une allée des arts. Elle minimise le coût. L'annulation des classes des arts et les coupures des programmes des arts, le sous-financement, va blesser les enfants non privilégiés, queer, LGBTQ, pauvres aussi. Ce gouvernement ne peut pas admettre, mais essaie de résoudre. On réduit les services des bibliothèques en moitié et le fonds du service entre bibliothèques de plus de 50%. Le financement au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a été réduit de 58,6 millions et le budget de la musique a été coupé de plus de 50%. La musique est la musique de la Révolution. Et maintenant, avec les prévisions budgétaires, le Conseil des arts du Canada va avoir une autre compression. C'est plus de 10 millions. C'est plus qu'une attaque. C'est vraiment démanteler tout le secteur des arts et des cultures, ce qui est un grand employeur et génère beaucoup de recettes. Les Ontariens en terrain méritent mieux, Monsieur le Président. Déclaration de député, le député de Mississauga-Est, Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de femmes incroyables de ma circonscription de Mississauga-Cooksville. C'était des artistes à mon mentor. Je veux souhaiter la bienvenue. Normal, Zerande, Jamel, Maria, Saima, Sarish et la fondatrice Anna Salgado à l'Assemblée législative. Les artistes en mouvement AIM, comme est connu, c'est un organisme qui veut épuiser l'esprit individuel. Et AIM croit à la valeur thérapeutique des arts. Il l'utilise comme la base de promotion du bien-être mental. AIM encourage la réflexion, stimule l'imagination en bâtissant l'auto-estime avec l'autre expression. Et la fondateur de Artists in Moment dit que les deux programmes Minded Me, Minded You et Gift usent les éléments d'engagement, de bâtir les émotions et des liens en reflétant sur l'identité et trouver des routes pour sortir du stress. Ce groupe de femmes a présenté leurs pensées sur les arts pendant qu'ils pensaient de leur parcours individuel. Ils ont exprimé les cultures, expressions culturelles. J'étais très fier du travail que AIM fait. Les œuvres d'art représentent leurs obstacles, espoirs et rêves et sont ancrées dans les valeurs culturelles. Continue à faire le bon travail. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Déclaration de député, la députée de London Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un honneur de prendre la parole au nom de mes concitoyens de London Fanshawe. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Charlene. Elle dit qu'elle ne contacte les représentants d'habitude, mais elle a toujours voté. Elle dit qu'elle a été motivée à écrire à tous les députés parce qu'elle dit « Je n'ai jamais été tellement déçue ou frustrée qu'en vivant en Ontario. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre province. » Charlene a un message et je l'aimerais le lire à son nom. Il n'y a pas moyen d'arrêter le gouvernement Ford de revenir en arrière dans la province et toucher la vie de beaucoup de gens tellement négatifs. En tant que maire de deux étudiants universitaires, je suis déçue de tous les changements que le Parti progressiste conservateur a apportés. On sera touché par les compressions au RAFAO et aussi des réductions des soins de santé. Et j'ai des parents un peu âgés qui
se préoccupent de leurs besoins. Il y a un frère qui a eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai des proches qui sont enseignants et je connais des gens qui ont des enfants avec des soins spéciaux qui sont touchés. La lettre de Charlene n'est pas commune. La plupart des gens ont la même impression qu'elle et se sentent de la même façon. Ce gouvernement fort doit comprendre. On travaille pour des vraies personnes comme Charlene et ces compressions horribles sont mauvaises et rendent la vie des gens plus difficile. Merci, Monsieur le Président. Une déclaration de député, le député de Brantford-Brent. Merci. Je veux porter attention à une initiative importante, mais c'est le mois de la vision et en tant qu'optométriste, c'est beaucoup important pour mes patients et moi-même. Les optométristes sont les professionnels des yeux les plus accessibles. Plus de professionnels dans plus de 200 collectivités où souvent sont les seuls fournisseurs de soins de la vision. 90% d'optométristes peuvent voir leurs patients le même jour s'il n'y a pas d'urgence, ce qui peut retirer la pression des urgences pour avoir accès aux soins. Les optométristes peuvent aider à résoudre certains problèmes en ayant plus d'efficacité, en réduisant la paperasse administrative. Les optométristes peuvent aussi donner de meilleurs résultats, améliorer la satisfaction des patients et utiliser des ressources publiques mieux. De plus, les optométristes de l'Ontario veulent faire partie de la solution en collaborant avec le gouvernement, en essayant de moderniser le système pour qu'on puisse avoir de bons services. Maintenant et dans l'avenir. Je souhaite à tous les optométristes et tout Ontarien une bonne semaine de la vision. Merci. Merci. Déclaration de député, le député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. C'était une journée étrange jeudi d'être ici à l'Assemblée législative, un endroit que je respecte beaucoup, où un gouvernement élu avec une majorité fausse a abandonné la prétence de répondre aux députés de l'opposition. Question après question ont été répondues avec des choses qu'ils pensaient que c'était de bonne chose qu'ils avaient fait. Une question sur les ambulances a eu une réponse sur la bière à $1 et ce qui a été suivi par une ovation. Et je vais citer un journaliste, le député de Kenora, Rainy River. C'est quelqu'un qui aime bien sa voix et qui adore ce qu'il dit. Rooker, part dans l'air, ne parle pas de l'avortement, de la protection des aînés, peu importe où il vit. Fin de citation. Ce matin, dans le comité des finances, j'étais fâché que je critiquais le gouvernement, que des autocollants, un député du gouvernement a dit que l'utilisation de propagande n'était non parlementaire. Quelle meilleure indication que la démocratie est en danger, qu'un gouvernement est fâché qu'on appelle leur propagande propagande. Je suis dans l'Assemblée législative depuis longtemps pour voir des changements pour qu'on retourne à la démocratie précédente. Déclaration de député, le député de Lanark-Frontenac-Kingston. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les députés élus doivent exercer au gouvernement ce qu'ils ont dit à l'opposition, sinon c'est juste de la publicité vide et fabuleuse. Depuis 12 ans, j'ai parlé à beaucoup de concitoyens et j'ai des agents d'immobilier. J'étais fier des événements où on a parlé de l'industrie de l'électricité. Et à quatre occasions, j'étais là avec des députés conservateurs, y inclus le député de Quint, qui est maintenant le ministre du logement. Pas le ministre du Logement, mais un autre ministre, et j'étais content, il a dit qu'on avait faire des changements. Mais on a été surpris que dans le budget provincial, il n'y avait pas de réformes promises, en particulier parce que c'était une question tellement importante pour le caucus conservateur pendant l'opposition et le ministre du Développement économique quand il était en opposition. Ce que moi et les agents d'immobilier dans ma circonscription, on veut savoir si c'est indéniable que le ministre va défendre de l'équité fiscale, mais est-ce qu'il va continuer à le faire pendant qu'il est au Conseil des ministres ou il va attendre jusqu'à ce qu'il soit à l'opposition? Merci.
Déclaration de député. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci. C'est avec beaucoup de tristesse que j'annonce que ma collectif de Northumberland, Peterborough Sud a perdu un vrai héros et un vrai chef de file, Bill Patchett. La générosité de Bill était immesurable et son impact a touché tellement de gens dans notre collectivité. La défense et le leadership de Bill a déplacé des montagnes dans ma circonscription. Son travail pour l'hôpital de Northumberland, pour les Rotaires, Centraide, Habitat pour l'humanité, juste pour mentionner quelque chose, était incroyable. C'était le travail moins connu qui a touché tellement de gens de la collectivité et dont l'impact a été profond et touché beaucoup de gens. C'était un homme qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances et je pense à mes quelques premiers jours quand je cherchais l'élection et les réunions que j'ai eues avec le Bill et un autre monsieur âgé qui s'appelait les Sénats à un déjeuner le matin et j'ai beaucoup appris de Bill et je serai un meilleur député à cause de lui. Un ami récemment m'a dit que Bill aurait toujours un sourire et dirait « Comment ça va, mon gars ?» Et c'était mon bureau à Coburg où il venait toujours. Bill rendait possible les choses dans la collectivité et notre collectivité est bien meilleure grâce à Bill. J'aimerais souhaiter mes condoléances et au nom de mon gouvernement à sa femme Delphine et ses autres parents et proches et d'autres gens de la collectivité dont la vie a été touchée par Bill. Merci Bill pour votre service et votre défense dans la collectivité et reste en paix. Déclaration de député, la députée de Nickelback. Mercredi, l'association encéphalique myalgique sera à Queen's Park pour marquer la journée internationale de sensibilisation pour l'encéphalomyélite, myalgie, la fibromyalgie, la sensibilité chimique multiple. Myal, c'est une œuvre de bienfaisance qui représente 6 000 Ontariens et Ontariennes touchés par ces maladies et le groupe de travail sur la santé environnementale a terminé son travail, l'a soumis au ministre de l'Environnement en 2018 avec le rapport d'étapes. On a donné beaucoup de recommandations pour améliorer les soins aux patients et aussi pour améliorer les choses pour les proches. J'encourage la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de publier le rapport final et de créer un comité de mise en œuvre pour commencer le travail du rapport final et d'adopter les recommandations du rapport d'étape et du rapport final et créer une clinique spécialisée, un centre d'excellence pour prendre soin et faire la recherche pour ces patients. La plupart de ces patients sont tôt touchés. Ils attendent depuis longtemps pour avoir des gestes posés. Je demande à la ministre de la Santé de montrer la bonne volonté et de publier le rapport final publiquement avant mercredi. Merci. Déclaration de député, le député de Mississauga-Morton. Merci. Souvent, d'un côté, on dit que nos enfants sont notre avenir et qu'on vit pour nos enfants. Mais de l'autre côté, on a des enfants qui sont abusés. Demain, on va reconnaître la force montrée par des jeunes qui ont eu des problèmes dans leur vie. Le 14 mai, c'est la journée des enfants pris en charge et on veut élever la sensibilisation des enfants pris en charge. Les enfants dans la société, nos sociétés d'aide à l'enfance aident à protéger les enfants et les jeunes qui ont des problèmes, souffrent d'agressions, etc., ou qui sont à risque. Et il y a 47 sociétés d'aide à l'enfance qui aident presque 12 000 enfants. Et j'aimerais reconnaître la société d'aide à l'enfance de Peel qui aide les enfants, les familles pour... Merci pour tout le travail. Établie en 1912, la Société d'aide en France de Peel a aidé presque 111 000 familles et plus de 124 familles d'accueil. Et la Direction de protection de l'enfance à Peel a beaucoup de succès. Ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président, ils ont
avec la générosité du donateur, levé plus de 230 000 $ pour aider 60 jeunes pour qu'ils reçoivent des bourses d'éducation. Monsieur le Président, j'aimerais dire à tout le monde, si vous pouvez aider la journée des enfants à l'enfance, venez au gala, parce que les jeunes sont nos avenirs. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. La députée de Simcoe Nord. Merci. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de parler à la cérémonie de fermeture du festival d'Aurelia de 2019. On a célébré la pêche qui est un des passe-temps les plus importants dans la collectivité. On a eu de grands prix. Depuis 39 ans, des centaines d'Ontariens ont participé au festival de pêche, qui est le derby de pêche le plus important. Depuis des siècles, la pêche commerciale et sportive a lié notre collectivité. Et ça a maintenu beaucoup ou de gens à s'amuser, aussi beaucoup d'entreprises qui puissent s'épanouir et qu'on nourrit nos collectivités. Samedi, j'ai assuré chaque pêcheur, homme et femme, que le gouvernement reconnaît l'apport économique, social et de loisirs de la pêche. Et nous voulons nous assurer que nos compagnies de pêche puissent s'épanouir et que les pêcheurs du week-end puissent aussi continuer à faire de la pêche. Et j'aimerais que la Chambre de commerce qui a aidé cet événement, on le reconnaisse. C'est un événement qui a lieu dans la Sunshine City depuis longtemps. Je sais que vous avez des perches dans votre circonscription et je vous invite à venir au Festival d'Aurelia la semaine prochaine pour être en compétition dans la pêche. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations de députés. Rapport des comités.